Le visa que tu es en train de chercher, l'Éternel est capable de te le donner ce soir. Même si tu as déjà essuyé autant de refus, l'Éternel est capable d'essuyer ces refus et de mettre l'approbation du ciel, et l'ambassadeur lui-même t'appellera. Le problème entre toi et moi, c'est que nous croyons tellement aux méthodes saraïques et nous refusons de croire aux méthodes de Yahweh, l'Éternel créateur des cieux et la terre. Nous refusons de croire à cela. Nous refusons de croire à cela. Ça a mis du temps. Sarah, pose la question à celui qui a fait la promesse. Pose la question à celui qui a fait la promesse. Parce que lorsque tu te tournes vers l'homme, même Abraham qui avait reçu la promesse, il était incapable de dire à Sarah, l'Éternel le fera. L'Éternel le fera à telle période. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Parce que Abraham aussi, ce n'est qu'un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas recevoir la promesse de Dieu et aller chercher l'accomplissement de cette promesse chez un homme. Tu fais quoi là? Voilà pourquoi nous sommes en train d'engendrer des accomplissements hybrides. Nous sommes en train d'engendrer des accomplissements zombies qui nous tuent et qui nous bouffent. Parce que tu prends la promesse de Dieu, tu vas l'associer au conseil des hommes, mais c'est une relation contre nature. Dieu ne peut pas te parler et toi tu vas aller chercher l'accomplissement chez un homme. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Dis à ton voisin, ça ne va pas. Dis à ton voisin, je refuse des relations contre nature dans l'accomplissement de mes promesses. Je refuse d'engendrer un zombie. Qui sera là et qui va me combattre nuit et jour? Qui sera là? Qui va me donner des maux de tête nuit et jour? Qui sera là? C'est un travail qui est là. Mais à cause de ce que j'avais fait, aujourd'hui je me retrouve malade. À cause de ce que... À quel moment tu vas te réjouir? À quel moment? Aussitôt que tu as le travail, c'est l'élan. Bien-aimé, c'est juste lorsque tu as fini de faire ça là. Juste lorsque tu as fini, le patron l'a te dragué pendant 6 mois, tu as dit non. Pendant 8 mois, tu as dit non. Et pendant ce temps, le diable s'est arrangé de cacher le piège derrière cette demande. Ce n'est que le jour où tu descends, ce n'est même pas à toi qu'on s'adresse. C'est lorsque tu passes et tu trouves bizarrement le monde des ténèbres va s'arranger maintenant à Nyokolayo. Ce n'est que ce jour-là que tu passes à côté de tes collègues sont en train de parler du patron pour dire « Patron, nazarana nyama. » Pendant 8 ans, yo kangote. Pendant 8 mois, otika la koyo kangote. Kaka jour aussi au cédé, le diable s'est dit « Ok, Nyokwa masiko. » À l'époque, on disait, Yoka Bilenga Mper. C'est là que tu vas comprendre. C'est là que tu vas comprendre que j'aurais dû patienter. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une vérité. Ismaël ne deviendra jamais Isaac. Je répète, Ismaël ne deviendra jamais Isaac. Pourquoi? Parce que Ismaël n'est pas dans la pensée de Dieu. Ismaël ne deviendra jamais Isaac. Parce que Ismaël n'est pas dans la pensée de Dieu. Alléluia. 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 À chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, que tu voudras, alléluia, que tu voudras fabriquer un Ismaël, à chaque fois, bien-aimé, que tu voudras fabriquer un Ismaël, souviens-toi que le Dieu des cieux est aussi le Dieu des ânes. Souviens-toi que le Dieu des cieux est aussi le Dieu des ânes. Qui a donné à Anne, après la prière, il lui a donné Samuel. La Bible me dit ceci.
dit, Samuel ne veut rien dire d'autre, tout simplement que je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Le Dieu que tu pries, il donne aussi Samuel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Oh, ce soir, je suis en train de voir quelqu'un qui va rouler dans une belle Jeep et il dira, je l'ai demandé à l'Éternel. L'Éternel m'a donné. Je suis en train de voir quelqu'un ce soir qui va entrer dans un mariage et dira, je ne suis pas allé voir un féticheur. Je l'ai demandé à l'Éternel. L'Éternel me l'a donné. Araba chante. Je suis en train de voir quelqu'un ce soir qui va construire une belle maison et dira, je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. J'ai demandé à l'Éternel. L'Éternel me l'a donné. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Tu seras fier de dire, je l'ai demandé à Dieu. Tu seras fier, maman, de dire que ces enfants, je les ai demandés à Dieu. Et Dieu me les a donnés par la voie de la prière. Par la voie de la prière. Par la voie de la prière. Bien-aimé, il n'y a pas que Ismaël. Samuel aussi existe. Ah, il n'y a pas que Ismaël. Il n'y a pas que Ismaël. Anne te dira, j'ai attendu. J'ai attendu. Ce n'était pas facile. On s'est moqué de moi, oui. Penina, la Bible me dit. La Bible me dit, Penina était en train de mortifier. Était en train de mortifier Anne. C'est-à-dire, ah, salamakambo. Et salopasi, n'est-ce pas au koufa. Et salopasi, tu manques le sommet. Oui, Anne te dira, je suis passé par là. Mais je n'ai pas flanché. Je ne suis pas allé de l'autre côté. Je suis resté. J'ai prié. Alors que les gens ne comprenaient pas, j'ai prié. Alors que même les sacrificateurs ne comprenaient pas, j'ai prié. Alors que le monde ne comprenait pas, j'ai prié. Je l'ai demandé à l'Éternel. Et l'Éternel me l'a donné. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Bouge ton voisin, dit Samuel aussi existe. Alléluia. Dis à ton voisin, Samuel aussi existe. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Aussi longtemps que tu auras une bouche pour parler, l'Éternel aura des oreilles pour entendre. Et le contraire aussi est vérifiable. Aussi longtemps que tu auras des oreilles pour entendre, l'Éternel aura une bouche pour parler. Alléluia. Alléluia. Ne restreins pas l'action de Dieu à cause de tes inquiétudes. Nous sommes dans une saison de ciel ouvert. Dieu entend et il exauce. Dieu entend et il exauce. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Daddy a dit quelque chose. Il me reste combien de temps? Ok, merci. Daddy nous a dit ceci. Le diable a peur des hommes de prière. Receive a miracle.